Je sais tout ce que peut faire une multinationale américaine. Je sais qu'elle peut même acheter des fonctionnaires dans les cabinets ministériels. Vous pouvez être reçu par le cabinet de Monsieur Montebourg, amener des documents au cabinet de Monsieur Montebourg, et ces documents disparaissent dans les couloirs de Bercy. Et la personne qui vous a reçu devient quelques années après un banquier d'affaires dans une banque américaine, sans que cela ne pose de problème à personne, sans que des problèmes déontologiques soient posés à personne. Et quelques années après, quand vous pouvez demander aux personnes en charge de la déontologie pourquoi ils ont accepté que cette personne qui était en charge de la défense d'Alstom soit nommée dans une banque américaine qui a gagné de l'argent sur le démantèlement d'Alstom, on vous dit que tout était normal, que tout ça est du passé, qu'on ne va pas quand même revenir sur le passé, qu'on ne va quand même pas laver le linge sale de la France devant les Français.